Là, on a donc la nouvelle Panigale. On peut donc voir que c'est une évolution en douceur pour la nouvelle Panigale V4. Une moto qui s'observe dans les détails, notamment les références à la 916. En fait, il faut regarder de près, c'est assez subtil, comme tout ce qui a évolué à l'intérieur de cette machine. Mais ça, je vais vous en parler tranquillement parce que là, il y a du monde et on va aller voir à l'extérieur. On profite du romantisme de ce coucher de soleil sur le circuit de Misano pour découvrir en détail la Ducati Panigale V4S nouvelle génération. C'est la 7e génération de sportive de Ducati, ça remonte aux années 80. Et ici, en fait, on a quelque chose qui est une évolution en douceur de cette moto. Alors, on le voit déjà au niveau du style, on a ce détail important, les ailerons qui sont désormais intégrés au carénage, une nouvelle signature lumineuse qui est là bien différente de la précédente. On a ici au niveau des roues aussi un carénage qui est un petit peu plus creusé, c'est censé améliorer la maniabilité, l'aéro, etc. À travers tout ce style, on a des références à la Ducati 916. Alors vous allez me dire, c'est très subtil, c'est dans les détails comme ici avec l'extracteur d'air ou encore avec ce réservoir qui est ici creusé comme l'était la 916. Une moto de toute façon qui se savoure dans les détails, dans les petites choses, puisqu'elle a évolué fortement sur certains points et un petit peu moins fortement sur d'autres. Sur le moteur, il a évolué très très peu, il est passé à Euro 5+, il a gagné 0,5 chevaux seulement, il est à 215,5 chevaux et en termes de poids, elle est à 187 kg. Tout plein fait, mais tout plein fait sans l'essence, je précise. Donc finalement, pas grand chose qui évolue là-dessus. Pourtant, en dessous, il y a un gros travail qui a été fait sur notamment le cadre ici à l'avant et le bras oscillant. Je viens vers moi, je vous montre le bras oscillant. On sait que Ducati avait un monobras. Eh bien, grosse révolution sur ce point-là. Il y a un double bras qui est désormais présent. Ce double bras, son objectif, c'est d'améliorer la rigidité de la moto en virage et notamment avec un travail sur la torsion latérale. Ce que je vous propose, c'est de découvrir en fait comment cette moto a été travaillée en douceur avec l'un des membres de l'équipe qui a travaillé dessus. We started on this project from the 2021, the very first spark that gave the light. The rear end of the bike was the focus in the beginning. We put inside a lot of improvement, and we need to understand if the step was in the right direction or not, because leaving the single-sided swing arm has been a huge change for us. So we have a lot of information on the double-sided swing arm we collected on the MotoGP bikes. And it is the reason why the older rider says that the feeling when you jump on this bike is more closer to the MotoGP than to the Superbike one. The reaction of the bike overall was so good that we decided, okay, for the rest, we just fix some points and work around the optimization. Starting with the Panigale V4 into 2018, where we developed the bike year after year to make the bike easier and easier. So we arrive at a point where to make the next step, we need to change a lot on the bike. So we asked Ducati Corse what we should do, and they said, you have to do this, this, and this, and you will achieve your goals. And that's why we did it. The requirement of the chassis were asked by Ducati Corse. So they asked for certain level of stiffness. And also the controls, what we call the DVO, the Ducati Bike Observer, is more or less the same system that we have in MotoGP since some years, that raise up the level of our controls. So I would say it's a 50% bike between Ducati and Ducati Corse. So Ducati Corse will ask for a lot of improvement in the new bike, because at the end we have to use this bike for a super bike in the future. So it's important that the Ducati Motors will follow our suggestion, and I'm really happy about the results. En tout cas, cette moto, elle a aussi un gros travail sur le package électronique qui a été complètement revu. Il y a un nouveau software, il y a ce qui s'appelle des capteurs virtuels, il y en a 70, le software qui est censé travailler pour apporter un meilleur ressenti de la route, de ce qui se passe, et vous aider en fait à mieux faire intervenir
toute cette électronique, que ce soit au niveau des suspensions, mais aussi l'autre nouveauté importante au niveau du freinage, puisque ce qui était un ABS cornering, donc qui vous permettait de freiner plus tard, devient un CBS. Ce CBS cornering, qu'est-ce que c'est en fait ? Eh bien, c'est une amélioration de cet ABS actif sur l'angle qui, en plus, va vous aider à avoir une meilleure trajectoire. Et comment, vous allez me dire ? Eh bien, tout simplement en appuyant sur le frein arrière, en faisant intervenir le frein arrière à votre place, comme le ferait un vrai pilote qui cherche à resserrer sa trajectoire, à resserrer son virage. Eh bien là, c'est l'électronique qui s'en charge. Alors, il y a des niveaux d'intervention, mais ça peut permettre en fait à intervenir à votre place pour récupérer un beau virage et faire de vous un meilleur pilote, un pilote plus rapide, notamment sur ce circuit. Peut-être que vous battrez le record du circuit qui est aux alentours des 1:36 par Pecco Bagnaia, ici même il y a 2 ans lors de la précédente édition du World Ducati Week. Moi, ce que je vous propose du coup, c'est de voir si je suis capable d'aller faire 1:30 sur ce circuit au soleil couchant. Moi, je pense que c'est bien.